Au palais présidentiel Koulouba, le président de la transition du Mali reçoit la délégation du Conseil national de la transition guinéenne, conduite par le président de l'institution. Dr Dansa Kourouma est venu non seulement transmettre au colonel Assimi Goïta les salutations de son frère d'armes, le colonel Mamadi Doumbouya, mais aussi réitérer la détermination de son institution à œuvrer pour le renforcement des liens d'amitié entre Conakry et Bamako. Comme nos destins sont liés, il se trouve aujourd'hui que nos deux pays sont en train de conjuguer les efforts pour résister à l'isolement, conjuguer les efforts pour mutualiser leurs chances de réussite, conjuguer les efforts pour créer l'espoir et donner la prospérité sociale et économique à nos deux peuples. Accompagné à cette rencontre par son homologue du Mali et de certains conseillers nationaux des deux pays, les présidents du CNT du Mali et de la Guinée ont saisi l'opportunité pour évoquer les différentes activités mises en œuvre pour redynamiser la coopération parlementaire. C'est de réaffirmer aussi à son Excellence Monsieur le Président de la Transition du Mali l'engagement du CNT de Guinée et du Mali à soutenir leurs actions, c'est-à-dire les actions de nos deux présidents, les actions de nos deux gouvernements. En tant qu'organe législatif qui a une interaction très solide avec l'organe législatif, avec l'organe exécutif, s'engager aussi à côté de nos deux leaders à consolider leur pouvoir, à consolider les actions de nos différents gouvernements, pour contribuer de manière irréversible au changement des manières de faire, surtout les conditions d'exercice du pouvoir dans nos deux pays, maintenant, demain et pour toujours. Dans les échanges, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, invite les deux institutions législatives de la transition à élaborer des textes et lois qui répondent aux préoccupations des populations guinéennes et maliennes.